Salut à tous les amis, c'est Platypus et on se retrouve pendant que j'ai des insomnies en fait, j'essayais de dormir dans mon petit lit mais j'arrivais pas à dormir à cause de l'orage, c'était vraiment trop fort, regardez cette pluie incessante, une vraie tempête, des coups de tonnerre dans tous les sens. Alors j'ai décidé de prendre une petite douche, voilà, pour me changer les idées hein, parce que franchement c'est pas vraiment agréable du tout ce genre de situation. Alors en attendant, on va un peu se savonner, voilà, du savon rouge, hein. J'aime bien le savon rouge, moi, à la fraise. Et voilà, on va sortir de notre douche. Wow, je suis en train de me noyer dans la douche, c'est peu commun ça, ouf, voilà. Bon, ça fait un peu mal tout ça, mais il faut bien, hein, quand on ne sait pas quoi faire de ses journées, prendre une petite douche, ne fait pas de mal. Allez, c'est parti, comme j'arrive pas à dormir, on va faire des choses... Parce qu'on va pas gaspiller notre temps comme ça. Oups. Bon, ça commence bien. Quand je dis gaspiller son temps, c'est faire ce genre de conneries. Et même si j'ai pas tellement de temps ces temps-ci, eh bien, j'ai rajouté quelques petites affaires au panneau. J'ai rajouté montrer les nouveaux blocs dans la salle des blocs. Déplacer le champ de carottes automatique, ça c'est déjà. Trioto des items, ça oui, j'ai rajouté. Et une gare avec rail pour accéder partout. Alors ça, oui, ça m'a l'air vachement important. Je pense que ça peut être super utile et pour que le LP soit quand même beaucoup plus confortable. C'est une petite gare avec des minecarts qui peuvent m'emmener partout dans la map, par exemple à la forge, etc. Vu que maintenant, il y a une forge. Et oui, chers amis, une forginette, une forginoute, une belle forge. C'est magnifique. Bon, en tout cas, nous étions ici pour faire les nouveaux blocs parce que un des buts de la série... C'est quand même de faire une salle des blocs, donc je pense que c'est quand même un tout petit peu important d'avoir quelques blocs à y poser. Donc nous avons le bloc de quartz, les piliers de quartz, alors il faudra aussi que je fabrique du chiselet de quartz. Comment on fait, hein? Attendez. Ah ok, excusez-moi. Voilà, on va juste faire... Tac, boum, bim, badabim. Oui, j'aimerais tous les avoir, voilà, parfait. Alors, une dalle, parfait. Et alors, un bloc chiseled. Excellent! Allez, c'est parti, on va mettre tout ça dans la salle des blocs. Comme ça, ce sera fait. Ah, shit, ça c'est chiant. Parfois, quand je vais à deux intervalles rapides, la redstone ne s'est pas désenclenchée. Et, ça c'est une bonne idée, tiens. On va remettre de la stone, ce sera quand même plus sympa. Voilà. Vu que c'était quand même ce que je voulais faire au début, ça a fait... Wow, ça s'est fait mal. Regardez cette ambiance vraiment désagréable, cette pluie. J'ai l'impression que l'orage a cessé, mais c'est quand même pas très agréable de se retrouver dans ces conditions. Alors on va vite se réfugier à l'intérieur de la petite maison. Et on va descendre à la cave. Bon. Ah bah ici c'est bien sympathique. Voilà. Ah, comme ça c'est plus tranquille. Alors pendant votre absence, j'ai créé un nouvel étage où j'ai mis des nouveaux blocs, donc la soul sand, le minerai de diamant et le bloc de redstone. Et donc nous allons rajouter, je ne sais pas si la stone, si je l'ai déjà mis, oui. Je ne suis pas aussi tête en l'air que je me considère. Donc voilà, hop, iron, non par contre, voilà, or je voulais dire, alors... iron ici, vous allez comprendre pourquoi je veux mélanger le quartz. Tout simplement, voilà, non, même pas, vous allez encore une fois comprendre pourquoi. Voilà, comme ça je peux mettre ce bloc ici. J'essaye d'un peu différencier les différents types de blocs, vous me comprendrez. En allant mettre celui-ci là, et alors le pilier ici, voilà. Et n'y avait-il pas un bloc que je n'avais pas placé? Non. Non, décidément, non. Ah si, par contre, il y a un bloc que je n'ai pas encore placé et que je vais aller faire sur le champ. Mais maintenant que j'ai bien travaillé, une bonne nuit de sommeil m'attend. Voilà. J'espère que je vais pouvoir m'endormir cette fois-ci parce que je commence à trouver le sommeil. Allez, on va rentrer. Truc de PGM, attention. Non, je voulais pas faire ça. Voilà.
pluie cesse. Bon, ben un petit lever de soleil. J'ai l'impression que la pluie commence à cesser. Ah, ben voilà. La pluie a cessé, c'est excellent. Il fait tout de suite beaucoup plus beau, hein, comme ça. Ce n'est pas pour m'en déplaire. Allez, c'est parti, on va planter un acajou de la jungle. Parce que oui, ça s'appelle un acajou. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, tac. Tac. Magnifique. Alors, veux-tu bien pousser? Quoi? J'ai gaspillé 10 bonnes mille. Purée, mais quelle arnaque! Voilà, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Alors, je vais voir si j'en ai pas. Et franchement, hein, si j'ai pas de bonne mille, je fais péter une case de TNT quelque part. Je pense que j'ai du sable. Et, alors, d'abord, on va voir si j'ai pas de la bonne mille. Non, c'est bien ce que je veux. Alors, il me faut de la gunpowder, ça j'ai, et du sable. Il faudra que j'aille en chercher. Comme ça, je fais bien péter une belle TNT ici, là, à la place de ce cube. Voilà. Donc, on se retrouve juste après la petite ellipse quand je fais péter le cube de TNT. Voilà, le cube de TNT a bien pété. Ça, c'est parfait. Maintenant, je souhaiterais juste vous montrer. Bon, j'ai à peine commencé, hein. Mais un petit début pour la forge. Donc, voilà. J'ai décidé de faire ça jungle. Je ne sais pas pourquoi. Et personne ne le saura jamais. Mais en tout cas, je fais ça à base de stone bricks pour donner un peu plus d'effet. Après, il faudra dégager la terre, etc. C'est qu'un début, mais voilà. Donc, vous avez un aperçu de ce que ça donnera. Ce sera une espèce de forge. Et eh bien, je me rends vers la jungle parce que les nouveaux qui me rejoignent entre-temps, il y en a quand même quelques-uns. Ça m'a étonné. D'ailleurs, je me disais, bof, il n'y a pas tellement de gens finalement qui regardent l'ELP. L'ELP, c'est une de mes émissions qui a le moins de succès. Allez savoir pourquoi. Merde, il y a du courant, salerie, non, j'ai gueule. J'aimerais quand même vous montrer, parce qu'il y en a quand même, depuis, ça fait, je m'embrouille, mais alors là, complètement, ça fait longtemps, voilà, que, eh bien, je n'ai pas été visiter ce petit coin-ci, où il faudra que je construise quelque chose, ça, je vous le garantis, je trouve ce coin très joli, donc j'irai près du pommier, j'irai me construire quelque chose, je ne sais pas, peut-être une petite baraque, aucune idée, mais sachez-le, il y aura un projet là, mais surtout, pour vous montrer qu'il y a eh bien, une jungle par là-bas. Ce qui m'avantage eh bien, bien beaucoup, car je vais pouvoir couper des arbres. Et oui, chers amis, chers potins, d'ailleurs, regardez, les chunks étaient déchargés, il y a encore un cube de feuilles qui n'a pas dépopé. Yémen, Yémen, j'aime le Yémen. Voilà, jeu de mots pourri, on aime ça. Il n'y a pas une petite pousse qui a bien petit poussé, non, ah, le petit poussé, voilà, on continue avec les blagues, mais complètement pourries. Alors un petit poulet, ça m'intéresse, parce que, laissez-moi vous expliquer, il faudra bien faire une ferme à poulet un jour, hein, même si j'ai pas trop le goût à me pencher maintenant, mais, il faudra bien que je le fasse un jour. Donc, regardez, l'arbre est pile entre deux biomes, donc vous voyez là, biome marais ou montagne, et ici biome jungle, donc ça c'est space. Mais on n'est pas là pour voir ce genre de bug bizarre, de mocheté de Minecraft. On est surtout venu ici pour couper du bois. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, désolé, hein, j'aurais pu vous le faire en ellipse en même temps que de faire péter la TNT. Pour ceux qui n'avaient pas compris, je n'ai pas réellement fait péter la TNT, hein, parce que je suis sûre qu'il y a des petits gens qui viennent parmi mon audition qui auraient pu le croire. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être méchant. Et c'est pour ça que je dis des trucs un peu méchants. Mais voilà, vous me pardonnerez parce que vous me connaissez et que je suis peut-être un de vos youtubeurs favoris. Donc vous me pardonnerez bien cela, je l'espère. Alors oui, pendant que je coupe du bois, je peux vous faire des petites infos. Je me suis mis à jouer à League of Legends il y a quelques petits instants, saloperie, voilà. Et je sais pas si je vous fais une vidéo. À mon avis, je vais attendre d'être un petit peu meilleur quand même parce que je suis pas pro du tout. Mais je sais pas, ce serait marrant encore une fois de faire une vidéo où vraiment on me voit complètement noob débuter. Je ne sais pas, ça peut être sympathique, je verrai bien, hein, je verrai bien. Par contre, oui, autre chose, les vacances se terminent, car oui, j'ai déjà eu mes vacances.
J'ai eu 2 semaines de vacances, c'est pour ça que vous n'avez pas eu tellement de vidéos, parce que j'étais partie à la mer et tout ça, si, si, la famille, les amis, et aïe. Et donc, malheureusement, après les vacances, vous n'avez pas eu de vidéos, les cours vont reprendre, et vous n'allez pas non plus avoir beaucoup de vidéos. Je sais, c'est un petit peu dommage, et quand on arrive en fin d'année, je vais devoir commencer mes révisions, etc. Je sais, c'est la saoule, la grosse saoule, ça me fait vraiment chier, parce que... Je préfère amplement jouer à Minecraft et vous faire des vidéos que de réviser. Mais bon, hein, c'est ainsi, il faut bien et je m'y fais. Donc voilà, je cherche, il y a pas des... Il me semble que j'avais vu un bout de bois. J'ai un stack tout pile. Ouais. Non, bon, bah tant pis. Voilà, j'ai un stack de bois. C'est parti. Parce qu'il faut quand même un petit peu de bois hein, de nos jours. Le bois se fait rare. Alors aujourd'hui, je pense que je fais ça vraiment au feeling. Hein. Aujourd'hui, par rapport à l'épisode précédent, j'avais bien préparé. Si, j'ai rien préparé du tout. On va se faire un épisode un peu de fight parce que... Eh bien, apparemment, vous aimez ça. Oui, j'ai... Apparemment, j'ai remarqué que vous aimiez ça et que même chez d'autres youtubeurs aussi, vous aimiez un peu le fight des mobs. Moi, ça m'étonne parce qu'il me semble justement que dans le LP, le plus intéressant, c'est les constructions et tout, la redstone, les améliorations, les inventions, mais apparemment vous aimez le fight contre les mobs, donc vous êtes pas trop difficile hein, comme client. Alors ça m'énerve vraiment parce que le pointeur de la souris ne veut pas dégager, c'est un bug qu'il y a sur Mac malheureusement. C'est un peu saoulant, un peu chiant, un peu voilà, je vous ai dit je serais méchant pendant cet épisode. Voilà, alors on va essayer de hop, sauter, parfait. Je vais essayer de ne pas toucher l'eau dans mon saut. Alors il y a plein de moutons ici, mais il n'y a pas... Oh un cochon, franchement hein, je ne savais pas qu'il y avait des cochons ici. Bon bah c'est parfait, comme ça je pourrais faire une machine à reproduction de cochons, je pourrais faire plein de trucs, mais c'est pas pour aujourd'hui. À mon avis, hein, tous les grands projets comme ça, si je réussis bien mon bulletin de fin d'année, parce que c'est quand même mieux si je réussis, si je réussis bien mes examens de fin d'année, tous ces grands projets seront pour les vacances. Pour les 2 mois de vacances qui seront tout amplement à moi. Alors, hop, oh, coucou, coucou la caverne. Charbon pour moi. Moi, aimais beaucoup le charbon. Alors, bon, on va récolter ça. Oui, cet épisode est vraiment bordélique, ça, je vous l'accorde. Enfin, peut-être que vous ne le pensez pas, mais je vous l'accorde quand même. Parce que moi, j'aime accorder des choses aux gens. Parce que même quand dans un épisode où je suis méchant, j'accorde des choses aux gens. Vous comprenez? Toute ma gratitude, ma gentillesse et ce qui fait de moi un homme bon. Oui, bon, le n'importe quoi, ça va un peu... Ça devient souvent plus de 10 minutes. Bon, allez, continuons l'exploration de cette grotte. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Moi, je vois, et c'est le principal. Parce que dans les épisodes où je suis méchant, le principal, c'est moi. Et oui, alors on va récolter le fer. Parce qu'on en a plus des masses. Si je veux faire un projet avec des hoppers... Oui, les mecs comme moi, ils utilisent la glowstone pour éclairer les cavernes. Plus de fer. Bon, allez, on va un peu continuer. Encore du charbon. Ici, je... Sale pointeur de merde. Merci. Alors, il n'y a rien ici. On va vérifier au plafond. Je sais que vous ne voyez rien. Pas besoin de me le dire. De toute façon, si ça tombe, vous ne le dites pas. Vu que vous n'êtes peut-être pas con au point de parler devant une vidéo. Mais il y en a. Et moi, je trouve ça marrant. Parfois, je le fais aussi, d'ailleurs. Je vais vous l'avouer parce que j'aime avouer des choses aux gens. Voilà. Ici, encore du charbon. Ça peut être bien pour un nouveau petit four automatique. Ah, que j'ai amélioré. Hein, je ne voulais même pas montrer. Je ne voulais pas montrer, mais je ne vais pas vous montrer maintenant, vu que je suis occupée dans cette caverne. Juste, on va récupérer ma glowstone, parce que la glowstone, mine de rien, ça se peut que ce soit un tout petit peu précieux, je pense. Voilà. Alors, on va continuer, on va prendre notre glowstone à la main. D'où est-ce que je viens? Parce qu'ici, 2 issues, ça, je viens de là. Donc, théoriquement, je vais par là... Alors, est-il possible qu'il y ait du minerai? Oui, excellent, il y a du fer. Bon, ben comme ça, ça nous remontera un petit peu notre bas stock de fer. Très bas, je vous l'avouerai, je pense que j'ai plus qu'un stack de fer. Cela m'ennuie un petit peu, d'ailleurs, vu que pour tous les hoppers, comme je vous l'ai déjà dit, il faut du fer. Hein. Il faut du fer, et il n'y a rien à dire qu'en cela, il faut du fer. Et on n'y peut rien, le fer, c'est important, même... Plus que le diamant. Voilà. Bon, on reprend ça et on se casse ici. Parce que je pense que l'épisode est en train de durer des tonnes. D'ailleurs, on va mettre
les mobs. Voilà. Comme c'est ce que vous vouliez, on va le faire. On va tout de suite fighter cette... Merde, j'ai pas de... Épée. Alors, je vais d'ailleurs vous montrer mes skills en PV mob, PVE, qui n'y sont pas spécialement démoniaques. Mais bon, hein, si je meurs, ça vous amusera. Et c'est le principal. Alors, des carottes. En fait, j'aime bien être en peaceful parce que... Waouh, mais j'avais même pas mon armure, là. P1 partout, c'est une petite armure de base. J'aime bien être en peaceful parce que je dois pas bouffer, en fait. Et bouffer, ça me saoule un peu. Parce que ça consomme toute ma nourriture, et voilà. Attendez, je vais juste vous montrer, comme ça je vais faire cuire en même temps. Mes petites affaires, j'ai besoin de pisser, parce que moi je vous dis ce genre de truc. Alors on va mettre le fer, voilà, parfait. Ah non, rien d'intéressant. Et on va mettre un peu de charbon ici, voilà. Parfait. C'est pas tout ça, mais regardez d'ailleurs, on va un petit peu attendre que les Daylight Sensors s'allument, ça pourrait être joli. Parce que vous voyez, j'en ai rajouté 1, 2, 3, 4. Oh oui, regardez, oh, ils se sont allumés, magnifique, magnifique. Bon, je suis heureux aujourd'hui. Regardez, j'ai aussi mis des petites glowstones dans la rivière pour donner un petit charme un petit peu plus charmant, vous me comprendrez. Donc on va rajouter une ici, si ça veut bien creuser, merci. Bonjour, au revoir, voilà. Un peu plus lumineux. On va même en mettre un à la base star. Voilà. Comme ça, ça éclaire un petit peu. Magnifique, magnifique. Tiens, ça éclaire. D'où vient la lumière? Ah, de l'intérieur, ok. Quand on est con, hein. Allez, on va manger. Voilà, alors regardez, donc voilà, j'ai mis des petits hoppers devant. Tiens, une petite glowstone ne ferait pas de mal. Ah d'ailleurs, parce que j'ai remarqué aussi qu'on ne savait même pas ouvrir ce coffre, ça c'est un tout petit peu, hein, je vous rassure, un tout petit peu con. Donc à la place, on va mettre de la glowstone. Voilà. Ils sont où mes escaliers? D'ailleurs, on va mettre des dalles. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre des dalles. Voilà. Voilà, c'est ainsi. C'est beau, c'est magnifique. Enfin, c'est pas super beau, mais au moins, ça éclaire. Regardez, j'ai mis deux petites torches en dessous des pieds de Link. Et je ne sais même plus pourquoi. Si, j'avais été chercher du bois pour le mettre dans ma salle des blocs. Bon, épisode bordélique, mais alors là, au possible, mais pourquoi pas. Hein. Peut-être que... Non mais... Hey, peut-être que vous aimez ça. Voilà, bon. C'est dit. Je dis vraiment n'importe quoi, mais fou. Vous pouvez pas savoir. Tac, voilà, je vais mettre un bloc de bois de jungle, jinglissimo, yeah. Et c'est bon, voilà. Alors vous allez venir avec moi, hein. Sale petite pousse de prouch. J'aimerais bien me faire pousser, mais il faudrait que je me fight un petit peu pour ça. Mais il n'y a aucun mob, pourtant je suis en easy. Easy, down. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de mob. Ah, je sais, c'est tellement... J'ai bien éclairé la région. Non, je rigole. Non, parce qu'en plus, c'est vachement mal éclairé. Il faudrait que je me fasse quelques petites torches. Et pour ça, on va venir stocker nos affaires. Faire quelques petites torches pour bien éclairer le terrain. Et après cela, eh bien, nous allons passer à l'action et tuer quelques mobs pour clôturer l'épisode. Voilà. Alors, grâce à un petit peu de fer, bon, on pourra... j'ai pas trop envie de trier, mais je suis bien obligée. On va juste m'en regarder 1, 2, 3, voilà, comme ça on pourra faire nos petites affaires. Alors, du sable, du gravier, de la stone comme ça. Alors ça, on peut le stocker, la cobble, on peut stocker. Le bois, comme ça, on peut stocker. Ceci aussi, non, voilà. Ceci, on peut stocker parce que j'en ai plus besoin. Saloperie, quoi. Voilà. Pouf, j'ai quand même réussi. Alors ici, il y a redstone. Je sais pas pourquoi j'avais redstone sur moi, d'ailleurs. Peut-être les hasards. Ça va là. Le flint, ça va là. La terre, on peut garder. C'est toujours utile. Un stick, on va le mettre ici. Voilà. Alors, les graines, les pousses d'arbres, les fleurs. Parfait. Et il manque juste de stocker... C'est dans la décoration, ça, c'est ça. Voilà. Le verre.
magnifique. C'est super, on va faire des torches, on va quand même peut-être tuer les mobs parce que sinon la journée va se lever, ce serait vraiment con. J'ai pas pris mon charbon, ça c'est cool aussi. Voilà, on va se faire un max de torches. Enfin, j'espère qu'il y en aura quand même beaucoup. Un stack 32, parfait. On va en mettre un stack. On va remettre le charbon. Et on peut enfin y aller. Oui. Ceci, les torches là, la bouffe là. Comme traditionnellement dans mon inventaire. Oui, je fais presque toujours comme ça. Voilà, allez hop. Et on va fighter les mobs. Et mettre quelques torches au sol de manière discrète. Parce que je ne trouve pas ça très élégant, faire les torches au sol. Je vous l'avouerai. Alors. Déjà ici, ça manque. Voilà, une petite torche. Une petite torche ici. Voilà, voilou. Ici, il en manque une. Là, je mettrais bien une glowstone, mais j'en ai plus. En soi, on peut les mettre sur des petits murets, ça peut être sympathique. Voilà. Pourquoi pas. En soi, pourquoi pas, hein, ça peut être sympathique. Voilà, on peut mettre des petits murets comme ça, avec une torche par-dessus. C'est encore drôle. Oui, c'est drôle. Alors, on peut mettre aussi sur le pont des torches. Ici pour un peu relever la luminosité parce que j'aime quand c'est lumineux. Voilà, comme ça c'est bien lumineux, mais à mort larigot. Ah voilà, un squelette, j'ai pas mon arc, ça commence bien. Allez, viens, mais viens, voilà, allez, viens me chercher, salopard. Voilà, j'ai même détruit une petite fleur qu'on va remettre parce que c'est poétique, les petites. Là où il est là. Je t'attends, mon beau. Oh, il a raté sa flèche. En plus, ça me fait un petit stock de flèches et d'eau. Même si j'ai pas encore eu un seul os. Ça, c'est un peu nul. Ça me fait un petit stock de mobs et en plus, on se divertit. Voilà. On se divertit. D'ailleurs, s'il y en a certains de vous qui jouent à League of Legends, vous pouvez me le faire savoir. Même si mon public est plutôt minecraftien. Hein. S'il y en a un d'entre vous, ça peut être sympatouche. Allons dans le désert, fightons les mobs dans le désert. Je me souviens qu'une fois je m'étais perdu, c'était pas une bonne idée. Mais voilà, en plus ça nous fait de l'XP parce que l'XP, franchement, j'en ai pas tellement. Hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Wouh, j'ai eu un énorme bug. Voilà, tiens, mort. Je fais attention à mon épée parce que les épées en fer ont relativement peu de durabilité, ça m'a étonné. Mais ouf, d'abord faut éliminer les zombies parce que c'est le tank de l'équipe, voilà. Alors on va faire attention aux deux squelettes qui essaient de nous défoncer par derrière. On va essayer voilà, de les mettre l'un derrière l'autre, comme ça ils sont vulnérables, ils s'entretuent. Et on les élimine de manière aisée. Alors les os je prends, toi feinte, raté, feinte, feinte. J'arrête, je réussis, je rate, je réussis aussi les feintes, voilà si j'y arrive. Alors donne-moi ton XP. On va un petit peu manger parce que là-bas je vois des creepers. On va essayer quand même de les tuer avant la fin de la nuit. Alors là-bas, un zombard pour essayer de que les creepers aient pas empiété. Ce qui est là. Bon, pas de chance. Au moins, j'ai eu de la poudre d'os. Et ben, je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que l'épisode est long. Allez, donc, ben voilà, l'épisode était pas mal long. Je pense qu'on peut se quitter. On a fait plus de choses. Mais c'était fort sympathique. Donc voilà, j'espère que vous aimez. N'hésitez pas à mettre un pouce vert. Moi, ça me fait plaisir et ça m'aide à me faire connaître. Je vais quand même essayer de ne pas mourir avant de finir ma tirade. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Même si si vous le faites de plein gris, je l'espère. Et que meurt. Voilà. Regardez ce beau lever de soleil. Allez, à plus tout le monde.